Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mardi, c'est le dernier jour du Vercors Music Festival, alors ne ratez pas le groupe grenoblois The Next Tape à 17h30. Franck, Jonathan et Virginie aussi entre hip-hop, jazz et musique électronique. Ils jouent avec les contrastes, calme, puissance, spleen et idéal. Le festival de l'Arpenteur, c'est en ce moment, mardi. Ne manquez pas La Tête à l'envers avec Noémie au violoncelle et à la voix et Sylvaine à la flûte et à la voix aussi. C'est un mélange d'humour, de musique et de mots, de jazz et de musique classique et contemporaine. Ça y est, c'est les vacances, alors direction le parc Acrobastille pour survoler Grenoble sur plus de 600 mètres. Ici, on vous dit tout. Acrobastille, c'est un parc acrobatique en hauteur avec des parcours acrobatiques pour les plus grands qui font tout le tour du fort en passant par le Grand Fossé. On a des activités un peu plus ludiques pour les enfants comme on a là derrière. Et on a aussi deux autres activités qui sont des exclusivités Acrobastille. On a la spéléobox, donc un petit conduit simulateur de spéléologie dans l'obscurité. Et on a aussi un autre jeu qui s'appelle Mission Bastille. C'est 5 salles où il faut déjouer des systèmes d'alarme. Donc il y a une salle où il faut traverser sans toucher le sol. Il y a une qu'il faut éviter les rayons laser. Il faut déjouer les détecteurs de mouvement, etc. C'est une expérience à faire. Et ça change, je trouve, des autres endroits, quoi. C'est assez original. J'ai trouvé que c'était facile. Surtout à la fin, ça a été rigolo. C'était compliqué mais amusant. Bah, y a des trucs compliqués où faut tirer sur les bras et tout, mais c'est amusant. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.